Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées au Nigeria dans l'explosion d'une bombe sur un marché de Maïdougouri dans le nord-est du pays. Cet attentat dans le fief historique de Boko Haram intervient au lendemain de l'arrestation d'un homme d'affaires soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement des 219 lycéennes retenues par le groupe islamiste.